Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Attention, la fifille. aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo coloriage. C'est la fin de mon coloriage. Non, c'est pas la fin de mon coloriage, je raconte des bêtises. Voilà, c'est Fifi qui me met dans le... dans le doute. C'est un coloriage, alors voilà, je vais y arriver. C'est un coloriage de Kevin Théoart. Voilà, c'est dur ce soir. Je ne bois pas, hein, pourtant, je vous assure, je ne bois pas une goutte d'alcool. Alors, c'est un coloriage de Kevin Théoart. C'est un concours qu'il organise sur son groupe. Donc, Kevin Théoart, je vous en parle régulièrement. C'est un illustrateur qui fait de jolis livres de coloriage. Voilà, je vous les remontre un petit peu. Enfin, vous allez les voir à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ces livres-là. Manga Style, Mysterious Face et Manga Style 2. Donc, comme je l'ai dit, je vous en parle régulièrement. Et là, il organise un concours pour gagner des jolies choses. Et donc, il faut mettre en couleur un de ses coloriages. Et donc, c'est sur le thème de Noël. Et il y a une petite difficulté qui n'en est pas une. Mais c'est qu'il ne faut pas utiliser de rouge. Oui, à Noël, souvent, on utilise du rouge. Et là, il ne faut pas en utiliser. Ça me rappelle un petit défi que j'avais donné à les membres de mon groupe, à moi, de faire un dessin sur Halloween et où il ne fallait pas utiliser du orange. Moi, voilà. Donc là, il ne fallait pas utiliser de rouge. Donc, moi, j'ai déjà fait le mien. Si jamais vous voulez participer à ce concours, il est encore ouvert, il est ouvert jusqu'au 16 décembre, donc vous avez encore quelques jours pour y participer. Il faut vous inscrire à son groupe tout simplement et après participer au concours. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de son groupe. Donc moi j'ai fait... je me suis bien amusée à le faire, il n'y a pas de souci. Donc j'ai utilisé, attends, bouge pas Fifi, je ne sais plus ce que j'ai utilisé, je regarde. Les Castellart Supply, j'ai utilisé les polycolores, j'ai utilisé plein de choses. Mais je ne sais plus les dire par cœur. Voilà, je l'ai sous les yeux. Alors, les Castellart, les polycolores. J'ai utilisé l'encre or de Winsor & Newton. J'ai utilisé le médium iridescente. Iridescente, voilà. Donc, c'est le liquide pailleté. Voilà. Donc, j'ai utilisé sur les parties de fourrure du dessin. Et les pastels tendres Faber-Castell pour le fond. Et dans le fond, et j'ai aussi utilisé un feutre Micron noir, une certaine partie du dessin. Et aussi le stylo Uniball gel blanc, voilà, et un marqueur métallique or. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de choses hein, cette fois-ci. Donc voilà, mais bon, vous verrez toutes ces petites techniques dans cette vidéo. Alors, je voulais pas passer en lent, je veux dire, mais là, bon, ça passe un peu en rapide, mais on voit bien toutes les étapes que je fais dans ce dessin. De toute façon, si jamais vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Ça se passe en dessous de la barre d'infos, dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions sur les techniques que j'ai utilisées, sur les crayons, sur... voilà, n'hésitez pas, hein, vous me demandez.
Et en même temps, au passage, vous mettez des petits pouces bleus. Voilà, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, que le coloriage va vous plaire, que le rendu va vous plaire également. Et si ça vous intéresse de faire ce concours, ben, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien que je vais mettre en barre d'infos et vous allez vous retrouver dans le groupe Facebook de Kevin Theo Art et vous pourrez faire son concours, voilà, qui se termine donc le 16 décembre. Donc il vous reste une petite semaine pour participer, mais ça va très vite à faire ce colo, donc n'hésitez pas. Je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage, à bientôt.
Thank you.